Au calme, c'est parti pour le tournage de cette nouvelle vidéo. Let's go, on y va. Hey, alors à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Summer Dream et je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et encore une fois un tout nouveau sujet qui va super bien vous intéresser encore une fois. Donc je vais éviter de trop blablater et on va débuter tout de suite. Vous êtes probablement en train de négocier chez qui vous allez dormir pour, admettons, passer le réveillon ou tout simplement une soirée. Quand soudain vous vient l'idée d'aller consulter un thérapeute avec votre partenaire, c'est-à-dire avec votre moitié. Vous faites cela car vous en avez probablement parlé autour de vous tout en... N'ayant une pointe d'incompréhension et aussi avec beaucoup d'envie. Car contre toute attente, vos amis vous ont dit de foncer, puis après tout pour vous, vous faites partie de la génération thérapie. C'est-à-dire que même votre chat peut consulter un comportementaliste. Ce soir, on a notre rendez-vous pour la thérapie de couple. On se rejoint directement là-bas. Il faut également que vous acceptiez le fait que vous n'avez pas eu encore le courage d'en discuter avec vos parents, car cette nouvelle routine va vous faire du bien et donc vous fait du bien. Et que le conflit est généralement ou non, après tout, quelque chose à résoudre et pourquoi pas résoudre vos problèmes à deux. Si vous êtes né entre les années 80 et les années 90, vous faites partie de la génération milléniale qui a un regard qui grandit selon la culture de la thérapie. Et aller consulter un psy pour vous, ce n'est plus un complexe. C'est presque une réussite personnelle que de prendre soin de votre morale de temps en temps. Puis cette base de pudeur pour une solothérapie décomplexe, mais ce n'est pas pour autant que le couple se libère de la thérapie en duo. Vous n'avez aucun mal à vous exprimer avec vos amis vis-à-vis de votre besoin d'avoir un médiateur pour vider votre sac et améliorer votre vie de couple. Parce que quand il s'agit d'informer votre maman sur le sujet que vous avez, admettons, le cœur brisé, ça sert donc à vous pousser et donc à oser affronter son regard lorsqu'elle saura que vous consultez un thérapeute de couple. Puis dans la tête de vos parents, la thérapie de couple est réservée aux personnes qui sont au bord du divorce. Or ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Il se peut également que vous ayez envie d'admettre à votre moitié que vous avez besoin d'une mise au point avec un thérapeute pour vous soulager à vous. Jusque là, vous avez peur, admettons, d'avouer vos différends, mais le fait de vider votre sac devant un professionnel vous permet de faire le point et d'aller de l'avant. Après tout, il ne vaut mieux pas laisser tant de place à la thérapie personnelle. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas faire que des thérapies par rapport à votre couple. Il arrive que parfois on ouvre un dossier et on le traite, puis ensuite on passe à autre chose. Donc l'avantage de la thérapie de couple, c'est le mieux,
car au lieu de tourner en rond sur le même sujet de dispute, ce rendez-vous que vous aurez avec votre partenaire vous permettra de résoudre efficacement dès le début ce qui pourrait éviter de vous séparer au lieu de rester comme ça et de vous taire. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enterrer un conflit de couple chez vous? Non, parce que sinon les assiettes risquent de casser. Dites, vous faites quoi jeudi soir les amis? Ça vous dirait d'aller à une séance de thérapie? Bon, d'accord, ça ne sonne pas encore comme une évidence. Mais une fois que vous aurez passé le pas de la porte du cabinet de thérapeute, vous aurez déjà hâte d'y retourner. Et puis, rien ne vous empêche de garder cela confidentiel. Après tout, c'est une affaire entre vous, le thérapeute et votre moitié. Alors, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est go! Oubliez les a priori. Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura surtout aidé à comprendre que non, les thérapies de couple ne sont pas réservées uniquement aux couples qui sont en conflit. Bien au contraire, si cela t'a aidé, je t'invite à lâcher un pouce bleu et donc à aimer cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous ou sur ma tête par là. À me suivre également sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description juste en dessous. À activer la petite cloche si vous ne l'avez toujours pas activée. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bye bye !